Je pense que le Val d'Ossin va faire un bon somme après s'il tombe. Bien, pensez à mouiller les casquettes, bien s'hydrater, car ça fait très 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 mal la chaleur ici à Brive. En général, on a toujours 10 degrés, sauf qu'on a vu un petit peu de pluie, mais ça s'était vachement bien passé. Les Chantalpins qui avaient gagné également les 48 heures d'hiver d'Evreux. Vive la neige à baisse pour Jean-Claude Baumel. Joël qui va essayer d'aller chercher encore le trophée Patrick Marani comme l'année dernière, pourquoi pas. Tu vas pas craquer maintenant, Sylvain. Donc ça peut la remonter au classement. Et puis derrière, eh bien, dans cette catégorie féminine, à la 35e place, on a Isabelle Grégoire et Vignette, Ville Vignette, c'est Suzanne 38e. Céline, elle est 160e et elle est 42e féminine, la féminine de Sanga. L'ami Roel, car il sera le premier à passer les 5 km. Et là, et Valérie Vallon qui a quitté à la deuxième place chez Anne. Elle est remontée à la deuxième.
presque deux. Allez, go. Bravo Patrick! Bravo, premier dans 24 heures, premier championnat et première. Attention! 5, 4, 3, 2, 1, c'est fini! Stop tout le monde! Médaille d'argent, le club EA Cournon, section locale Clermont, Anne-Marie, Nathalie Dereau. France 2016, Anne-Marie Vernet. Mesdames et Mesdames, Messieurs, en l'honneur du championnat de France élite masculin des 24 heures avril, la Marseillaise.